Et salut à tous, c'est Aquatex. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu GTA V Online pour vous présenter une toute nouvelle tenue modée sans codage Striard, rouge et noir tout simplement. Du coup, avant de commencer cette vidéo, si vous êtes nouveau ou nouvelle à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. À liker si la vidéo vous plaît et à partager cela, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas aussi à rejoindre le serveur Discord si vous avez besoin d'aide pour vos tenues. Le lien du serveur sera en description. Une fois tout ceci dit, revenons tout simplement à la tenue. Pour faire cette tenue, vous allez avoir besoin du jogger noir. Je vous ai laissé le lien de deux vidéos qui expliquent comment faire pour récupérer le pantalon jogger noir. Je vous ai également laissé l'activité pour le sac de braquage rouge en description. N'hésitez pas à aller checker tout cela. Il va falloir également être en session sur invitation pour éviter de vous faire tuer par d'autres joueurs. Ensuite, vous allez vous rendre dans un magasin de vêtements le plus proche de vous. Pour ma part, c'est celle-là. Une fois tout ceci préparé, vous êtes prêt pour la tenue. Du coup, let's go, c'est parti les amis. Allez, hop, une fois prêt comme moi, vous allez faire la manipulation pour récupérer votre pantalon jogger noir grâce à la vidéo que je vous ai laissée en description. Une fois l'avoir récupéré, vous allez vous rendre au magasin de vêtements. Vous allez vous diriger vers les hauts, flèche de droite. Vous allez descendre dans la catégorie des par-dessus. Du coup, on descend. Et dans la catégorie des par-dessus, vous allez descendre tout en bas. Vous allez acheter la parka fermée rouge. Du coup, on descend. C'est le 43 sur 65. Une fois ceci équipé, vous allez faire rond et vous allez faire pavé tactile. Vous allez sur style, vous allez descendre sur veste et vous allez mettre veste ouverte. Une fois ceci fait, vous allez faire la flèche de droite au niveau des hauts. Ensuite, vous allez descendre dans la catégorie des t-shirts de designer. Et dans cette catégorie, vous allez acheter le t-shirt à motif noir. 58 sur 68. Une fois ceci équipé, vous allez ensuite vous diriger tout simplement vers les chaussures. Vous allez ensuite faire la flèche de droite. Vous allez dans la catégorie des baskets. Et dans cette catégorie, vous allez acheter tout simplement les baskets cloutées rouges unies. 34 sur 37. Du coup, c'est celle-là. Une fois l'avoir équipée, on va ensuite se diriger vers les accessoires. Une fois arrivé au niveau des accessoires, on va faire la flèche de droite. On va descendre dans la catégorie des gants. Et on va acheter les renforcés noirs, 9 sur 72. Une fois tout ceci équipé, vous allez vous diriger vers la caissière, flèche de droite et carré pour sauvegarder la tenue dans un emplacement. Une fois la sauvegarde terminée, on va aller dans les tenues braquage combinaison. On va acheter entre les quatre dernières tenues. Pour ma part, je prends la tenue scientifique et on se dirige vers la longue-vue. On se retrouve une fois arrivé. Une fois arrivé, vous allez vous placer comme moi. Vous allez courir vers la longue-vue et spammer la flèche de droite. Vous allez maintenir pavé tactile longtemps. Vous allez ensuite sur style tenue. Vous allez équiper la tenue que vous avez sauvegardée au magasin de vêtements. Ensuite, vous allez vous éloigner de la longue-vue. Vous allez avoir le masque sur la tenue. Une fois cette manipulation terminée, vous allez tout simplement vous diriger vers l'ammunition. Une fois arrivé à l'ammunition, vous allez entrer, vous allez vous diriger vers les vêtements, flèche de droite, et vous allez faire carré pour sauvegarder la tenue au premier emplacement. Du coup, c'est très important de sauvegarder la tenue au premier emplacement avant de lancer l'activité. Une fois la sauvegarde terminée, on fait option, on va dans en ligne activité, jeu activité créé par Star, mission, on va lancer un travail de titan. On va confirmer les paramètres, lancer la mission en solo. Une fois dans la mission, on va tout simplement avoir un torse invisible comme moi sur le gameplay. Du coup, une fois ceci fait, vous allez vous diriger vers les vêtements. Vous allez re-sauvegarder la tenue au premier emplacement. Du coup, on re-sauvegarde la tenue au premier emplacement. Une fois la sauvegarde terminée, vous allez tout simplement ouvrir le téléphone et quitter l'activité. On aura ensuite un chargement et on va respawn tout simplement en session avec une cagoule blanche comme moi sur le gameplay. Une fois ceci fait, vous allez retourner tout simplement à l'ammunition. Vous allez vers les hauts, juste à gauche. Vous allez faire la flèche de droite. Vous allez descendre dans la catégorie gilet de braquage et vous allez acheter le gilet de braquage furtif. 75 sur 75. Une fois l'avoir équipé, vous allez acheter une oreillette si vous n'en avez pas. Pour ma part, j'ai déjà une oreillette. Ensuite, vous allez lancer le versus Ripou. Dans les paramètres, vous allez mettre vêtements possédés et vous allez inviter un ami. Une fois que votre ami aura rejoint, vous allez lancer l'activité Ripou et vous allez spawn ici. Vous allez descendre sur tenue possédée et vous allez faire une fois la flèche de droite pour transférer le gilet sur la tenue. Et ça va vous faire la tenue modée.
Vous allez vous mettre prêt et patienter que la mission se lance. Une fois dans la mission, on fait pavé tactile, style, accessoire, matériel. On fait la flèche de gauche pour mettre une oreillette. Ensuite, on va ouvrir le téléphone et quitter l'activité. On aura un chargement et on va répondre tout simplement à la session avec la tenue modée sur nous. On va retourner tout simplement à l'ammunition. On va aller vers les vêtements, flèche de droite et carré pour sauvegarder la tenue dans un emplacement. Cette fois-ci, vous pouvez sauvegarder dans n'importe quel emplacement. Une fois la sauvegarde terminée, vous allez vous diriger vers le magasin de masques. Une fois arrivé au magasin de masques, vous allez faire la flèche de droite au niveau des chapeaux. Flèche de droite, vous allez descendre dans la catégorie des casques de combat. Et dans cette catégorie-là, on va descendre tout en bas. Vous allez acheter la même que moi. Du coup, on descend. Du coup, vous allez acheter les jumelles noires et rouges. 47 sur 89. Une fois l'avoir équipé, vous allez vous diriger vers les masques, flèche de droite. Vous allez descendre dans la catégorie des passes montagnes. Et dans cette catégorie, vous allez acheter la même cagoule que moi. Du coup, on descend, je vous montre cela. C'est la cagoule noire et rouge, 39 sur 114. Une fois ceci équipé, vous allez faire carré pour sauvegarder la tenue dans un emplacement. Une fois la sauvegarde terminée, on va se diriger tout simplement vers la longue vue. On se retrouve une fois arrivé. Une fois arrivé, vous allez vous placer comme moi. Vous allez courir vers la longue vue et spammer la flèche de droite. Votre masque va se retirer. Vous allez faire pavé tactile et style. Vous allez dans accessoires. Vous allez descendre sur lunettes et vous allez équiper les lunettes hors la loi rouge. Si vous ne l'avez pas, vous allez acheter tout simplement au magasin de vêtements. Ensuite, vous allez faire le bug de la longue vue et vous allez vous éloigner. Vous aurez les lunettes buguées avec la cagoule et le casque. Une fois la manipulation terminée, on va tout simplement retourner au magasin de masques. On va faire pavé tactile, on va aller sur style parachute. On va équiper un sac harnais Israël ou un sac harnais de votre choix. Ensuite, vous allez faire carré au niveau flèche de droite et carré au niveau des masques pour sauvegarder la tenue dans un emplacement. Du coup, on sauvegarde la tenue. Une fois la sauvegarde terminée, on va lancer l'activité pour récupérer le sac de braquage rouge. Je vous ai laissé l'activité en description. Vous allez l'ajouter tout simplement en favori à travers votre social club. Et vous allez faire option en ligne activité. Vous allez dans les favoris, extermination. Et vous allez lancer votre activité pour le sac de braquage rouge. Vous allez inviter un ami comme moi et vous allez lancer tout simplement l'activité. Vous allez vous mettre prêt. Une fois que votre ami aura rejoint, vous allez lancer l'activité, vous allez vous mettre prêt et patienter que l'activité se lance. Du coup, une fois dans l'activité, vous allez avoir le sac de braquage rouge comme moi sur le gameplay. Vous allez faire pavé tactile, style, vous allez sur tenue. Vous allez faire plusieurs fois la flèche de droite et X, flèche de droite et X, flèche de droite et X. Une fois la manipulation terminée, on va tout simplement quitter l'activité à travers le téléphone. On aura un chargement et on va répondre tout simplement en session avec le sac de braquage sur la tenue. Du coup, on aura juste à transférer le sac de braquage sur la tenue. On se retrouve une fois arrivé à la plage. Une fois à la plage, comme moi, vous allez vous placer face au magasin. Vous allez sauter de l'oppresseur et vous allez ouvrir le parachute. Vous allez faire pavé tactile. Vous allez sur style accessoire, style tenue. Vous allez équiper la tenue que vous avez sauvegardée avant de lancer l'activité. Du coup, la tenue avec le casque de combat. Et vous allez tout simplement vous écraser au niveau du magasin de masques et rapidement spammer la flèche de droite et carré pour sauvegarder la tenue dans un emplacement. Du coup, on fait la sauvegarde. Une fois la sauvegarde terminée, vous allez faire pavé tactile, vous allez sur style, vous allez ensuite sur tenue et vous allez remettre la tenue et vous allez avoir le sac de braquage qui va se mettre sur la tenue et vous avez tout simplement terminé la tenue modée triad sans codage rouge et noir. J'espère que cette tenue vous aura plu. J'espère également que cette vidéo vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, moi je vous laisse sur ces gameplays, sur ces images. C'était Aquatex. Allez, go la team!